Réunion des chefs cantons et chefs régions du royaume de Dahomey ce samedi 14 mai 2022 au palais privé d'Agbidinoukounglélé à Sinwelego. Déjà à 10h, Dagbetekan Agbidinoukounglélé s'est disposé à l'entrée de son palais privé pour accueillir ses hôtes du jour. Dalanganfenglélé, chef canton de Kana, Dadadagloglélé, deuxième chef canton de Umbegame, Dazungongon Zodeogan, chef canton de Zado. À Zobodome, Da Didagbagba Glele, chef région Zozome à Abome, Da Pleli Glele, chef région de Lissazoume à Agbaizou, Da Degang Glele, chef canton de Tindi à Zapota, Da Aïsoude à Oglele, chef canton de Ngbegame et Vingbe Glele, chef région d'Adengon ont répondu à l'appel de Da Petekan Agbidinoukoum Glele. Il s'agissait pour cette tête couronnée de discuter autour des actions allant dans le sens de la promotion de l'unité entre les chefs cantons et chefs régions du royaume de Dahomey. Actualité oblige, ils ont aussi abordé l'organisation pratique de l'intronisation du prochain roi du royaume et de la mobilisation de la communauté autour des sujets d'intérêt commun. Nous nous sommes trouvés à Houkon, à Sinwé, avec notre président Petekan pour discuter des problèmes liés au Dahomey. Et quels sont ces problèmes? Nous sommes à la veille de l'intronisation d'un nouveau roi. Il faut que nous, chefs cantons, chefs régions, garants de l'histoire des us et coutumes, qu'on se réunisse pour prendre les mesures adéquates pour que cette cérémonie soit une cérémonie réussie. Autre chose, dans Dahomey, aujourd'hui, tout le monde se réclame chef. Tout le monde se réclame chef dans Dahomey. C'est bien qu'on a oublié ceux qui étaient vraiment chefs. Je vais vous dire que dans notre histoire du Dahomey, il y a les chefs avant la colonisation. Il y a les chefs de la colonisation. Après la colonisation, l'indépendance, bon, des royautés qui étaient mises sous terre se sont révélées. Sinon, il y a deux chefs. Il y a les chefs d'avant, qui est Wegbadja aujourd'hui, et les chefs de la colonisation, qui, ceux-là, qui ont perpétué l'histoire, les chefs cantons et les chefs régions. C'est pour ça qu'on est venu pour faire un toilettage. Sous le gîte du plus aîné, qu'on se réunit pour décider. Et c'est en ce moment que nous sommes réunis, chefs cantons, chefs régions, Les vrais garants de la continuité de l'histoire de Dahomey, nous sommes réunis aujourd'hui sous l'égide de Sa Majesté Agbidinoukounglélé Petekan pour décider sur le devenir du Dahomey. Nous sommes à une heure où ça flotte. Mais pourquoi ça ne flotte pas? Nous sommes réunis. Ça ne flottera pas. Le Dahomey est un et unique. Et c'est à ce que nous sommes réunis. Notre rencontre n'a pas pour objectif de discuter de ci ou de ça contre quelqu'un. Souhaitons que ces genres de rencontres soient pérennisés pour l'harmonie dans le royaume de Dahomey.